10 000 personnes étaient réunies à Tel Aviv samedi soir à l'occasion d'une cérémonie marquant le 16e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. A l'inverse des autres années, aucun responsable politique n'a fait d'apparition ou n'a même prononcé de discours. Quelques personnalités ont cependant pris la parole, comme l'ancien négociateur Yossi Sarid et le rabbin Menachem Froman. Autre figure présente, Chagit Ofran, la présidente du mouvement pacifiste Shalom Arshav. Il y a une semaine, elle avait été la cible de menaces venant de l'extrême droite israélienne. Précisément, plusieurs orateurs ont profité de ce rassemblement pour s'inquiéter des attaques qui visent depuis quelque temps la gauche en Israël.